Donc pour toutes les personnes qui hésitent encore à s'inscrire au programme, moi je leur dirais simplement tentez, tentez parce que il n'y a pas de crainte à avoir. Moi j'ai eu peur en fait, bêtement, j'ai eu peur, je crois, de ne pas trouver de solution. Et de me dire, bon, ce programme qui semble être miraculeux ne fonctionne même pas sur moi, je suis un cas désespéré, mais pas du tout. Je crois qu'il y a vraiment une solution pour tout, pour tous les blocages. Armelle est là, quoi, elle est là pour nous rassurer, elle est là pour nous donner plein de conseils incroyables. Et si moi, j'avais pas essayé beaucoup de choses avant. J'avoue que je m'étais pas beaucoup occupée de moi jusqu'à présent. Et la rencontre avec Armelle a été pour moi extraordinaire. Donc je me suis inscrite et voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui essaient plein de choses et pour lesquelles ça ne fonctionne pas forcément, en tout cas pas de manière efficace. Et je leur conseille vraiment, vraiment de tenter ce programme parce qu'elles n'ont rien à perdre. Elles n'ont rien à perdre. Au pire, elles ont une belle philosophie de vie, elles ont une façon de voir les choses un peu différente. Après, bien sûr, il faut travailler, il faut être volontaire, il faut avoir envie aussi de ce changement. Il faut être prêt à entendre des choses aussi qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Mais moi, je dirais, c'est 9 semaines. Vous imaginez 9 semaines par rapport à une thérapie, des psys ou je sais pas, 9 semaines et ça peut tout changer. Donc pour moi, si j'avais à refaire, je le referais mes 10 000 fois. C'est juste extraordinaire. Donc vraiment, tentez, tentez, n'hésitez pas. Et c'est juste 9 semaines sur une vie, c'est rien. À toutes les personnes qui s'incitent à s'inscrire à ces programmes, c'est que c'est normal. On a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur du changement. On se demande qu'est-ce qu'on va encore faire, qu'est-ce qu'ils vont encore nous demander. Mais à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut rester là où on est, de continuer à se plaindre de la vie, de tout ce qui nous arrive et qu'on ne s'en sort pas? Ou est-ce qu'on prend notre courage à deux mains et on est dit, allez, ok, banco, on essaye, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a tout y gagné. Et ce qui est génial, c'est que même si on n'est pas contente, même si on ne l'apprécie pas, chose qui peut arriver parce qu'on n'est pas tous obligés d'aimer tous les mêmes personnes, c'est que si elle ne vous fait pas du bien, chose qui m'étonnerait beaucoup, en aucun cas elle vous fait du mal. Et ça, aucun effet secondaire, tout est positif. Pour les personnes en fait qui n'osent pas s'inscrire à ce programme, je dirais presque la seule question à se poser, c'est si vous sentez qu'en fait vous stagnez dans votre vie, que vous n'arrivez pas à avancer, mais que vous avez vraiment ce désir profond de faire changer les choses, de les faire bouger, inscrivez-vous à ce programme parce que en fait, il vous permet vraiment en fait d'avoir les clés. En fait, pour changer, elle vous délivre vraiment en fait sa façon d'accompagner, et je trouve ça juste génial et extraordinaire de pouvoir en fait le partager avec le plus grand nombre.